La commémoration de la Nakba marquée par de nombreuses violences en marge des révolutions arabes. L'anniversaire de la création de l'État hébreu est qualifié de catastrophe par les Palestiniens et les manifestations hier ont été particulièrement tendues avec les forces de l'ordre israéliennes, comme ici, au checkpoint de Qalandia près de Ramallah, en Cisjordanie. Dans le nord de la bande de Gaza, la police du Hamas s'est laissée déborder par la foule qui se dirigeait vers le poste frontière d'Erez. Une centaine de manifestants ont été blessés par des tirs de Tsahal. Les affrontements les plus meurtriers ont eu lieu aux frontières avec la Syrie, sur le plateau du Golan et avec le Liban. Des milliers de réfugiés palestiniens s'étaient rassemblés à Marun Arras, à 1 kilomètre d'Israël. Une dizaine d'entre eux ont été tués en essayant de forcer le barrage. Même scénario dans le Golan, où au moins 2 protestataires ont péri. Le calme est à présent revenu. Le président de l'autorité palestinienne a rendu hommage à ceux qu'il a qualifiés hier de martyrs.